Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi, ça va très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure horrifique galactique et tutti quanti sur Dead Space. N'oubliez pas la 4K 60 FPS, évidemment, parce que je peux vous dire que nous sommes sur la fin du jeu et que ça risque de swinguer très 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 fort, évidemment. Est-ce qu'on a quelque chose dans ces toilettes qui peuvent être intéressant? Et je ne crois pas pourquoi il y a ça vibre comme ça. À tout le personnel, veuillez rejoindre immédiatement votre zone de sécurité. Laissez-moi checker un truc. Laissez-moi checker un truc. Juste en face, on a un store. Ok, c'est bon. J'ai plus besoin de check. Bon bah écoutez, je pense qu'on va dépenser toute notre thune dans des munitions et tout est Kenty, évidemment. Parce que là, ça me paraît très compliqué. Qu'est-ce qu'on a à vendre? Oh. Ok. Oh. Ouais. Je pense qu'on va acheter des... On va acheter des trucs, hein. On va acheter des trucs. Ça sent la fin, cette histoire, quand même, non? Je peux pas acheter 10 milliards de trucs, par contre. Barre pour le trancheur. Ok. J'utilise pas beaucoup le trancheur pour être totalement franc avec vous. Ça, à la limite. Ça, à la limite. Ouais, ça me paraît pas mal. Je les revendrai si vraiment j'en ai pas besoin. Bougez pas. Ça veut dire que par conséquent, 360 balles, c'est pas mal. On va mettre ça où? On va mettre ça... On va mettre celle-là. Ça me paraît pas mal aussi. Ok, on est parti. On est parti. Je vous avoue être moyen serein. Comme vous pouvez le voir, on est en train de transporter donc. Oh merde. Putain, c'est mon frère. Le moniteur, il est à côté du sas. Ne te laisse pas avoir par cet endroit. Kendra, on n'a pas le temps. Il y est pas. Je vais réussir si je cours. Est-ce que je suis déjà venu ici? On est déjà venu, hein. Ok, on a l'air d'être déjà venu. Très bien. Donc, comme je vous disais, on a amené l'artefact vers l'extérieur. Waouh. Quoi? Comment ça? Il y a un mur invisible? Oh putain, c'est pas texturé, sa mère. Ça arrive qu'à moi, attendez. Je suis mort. Le niveau a pas chargé. Qu'est-ce que c'est que ces emmerdes? Ok, on va charger la game. Attendez, on va prendre l'ascenseur, c'est peut-être ça. Qu'est-ce que c'est? On espère que l'ascenseur est une sorte de temps de chargement. Ça a pas chargé. La pièce n'était pas chargée. C'était un... Le sol était totalement transparent. Alerte d'urgence. Protocole d'évacuation du pont en cours. Attendez, ça me fait peur cette histoire. Dites-moi pas que je vais pas pouvoir terminer ce let's play. Dites-moi pas que je vais pas pouvoir terminer ce let's play, les amis. Ils peuvent pas me faire ça. Je serai le premier au monde à avoir eu ce bug. Si jamais il n'y a rien à faire. Non. Attendez. Qu'est-ce que c'est que ces emmerdes? Bougez pas, on va charger ça. Ah, c'est bon. Ok. Bon bah attendez, on va faire une save parce qu'on sait jamais ce qui nous attend. C'est bon, j'ai cru qu'on avait perdu 5 minutes, ça aurait été terrible. Bon, c'était pas bien grave en soi, hein, mais quand même, ça serait très relou. On est parti. Ah! Anomalie dangereuse détectée. Quarantaine activée. Ok. Yeah.
bien. Très bien. Ok. Ça swing un peu, mais enfin. Oh, plus de peur que de mal. Ok, c'était très agréable. Hein. C'est juste histoire de dire, écoute, utilise tes munitions et va bien te faire, j'allais dire enculer, mais enfin c'est à peu près ça. Étant donné qu'on est à la fin du jeu, ils nous le font, je pense clairement comprendre. Ok, on a utilisé 10 munitions mine de rien. Ça va très vite. Et hop, on va mettre ça là. On est parti. En avant pour la suite. Qu'est-ce qu'on a là? L'hangar principal. Oh! Ok. Et là? Oh! Ok. Là, c'est verrouillé. Clark, votre collègue est à bord. Kendra, Daniel. Juste un instant, Isaac. Il fait venir la navette. Ok. Ça, c'est la grosse. Isaac, les commandes de chargement automatique ne répondent pas. Sûrement à cause des dégâts subis par le vaisseau. Mais qu'est-ce que tu tends ? La reine mère est en bas. Relax, Kyle. Je vais couper la gravité dans le hangar. Comme ça, je pourrai charger le monolithe manuellement. D'accord. Non, t'inquiète pas, Amelia. Ils comprennent. Oh, sérieux. Oh là là. Ok. Qu'est-ce que je dois branler du monolithe? J'ai pas compris. Ah, c'était évident. Ok. Ça doit aller chercher le monolithe sale, hein. Quel enfer. Oh, quel enfer. C'est ça? Entrée en zéro gravité. Ok. Hmm. On va passer par ici. Ok. C'était peut-être pas nécessaire, mais enfin écoutez. Vaut mieux prévenir que guérir, paraît-il. Pas trop ce que je suis en train de faire là. Encore what? Oh. Ah. Ah oui. Ah non, point nommé. Oh la vache. Il y a des trucs un tout petit peu partout. Ok. Qu'est-ce que c'est? Où ça peut être ça? Oh, ça va swinguer. Hein. Très bien. On a quelque chose en bas.
très bien ça. Très très bien ça. J'avoue qu'un peu de méga PK, ça pourrait faire plaisir. Oh waouh, d'accord, ok, j'ai compris. D'accord, on peut en mettre un là, comme ça. Alors, ouais, j'ai été un beau connard là. Et vous savez ce qu'on dit sur les connards. Bon, on dit pas grand chose en fait. Je vais récupérer ce truc là, tiens. Bim, bim, bala, bim, bim, bala, boum. Où est mon bonus? Non, mais les gars, oh. Sérieux? Amenez-moi ça. J'ai le seum, j'ai encore utilisé une munition. J'ai utilisé 3 munitions de méga PK. Aïe, 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 aïe. Quelle angoisse. Ok, qu'est-ce que c'est que ça? Bien. Oh non, je suis un connard. Ok, j'ai utilisé des soins, les gars. Ça va que j'en ai pas utilisé beaucoup, il me reste 2 petits soins. Hein. Dégage toi. Il se fait traîner. Il est vivant, il est mort, c'est quoi ça? Pas une salope. Enfin si, mais ça va. Ok, j'ai plus de soins, j'ai plus rien. J'irai acheter un gros soin un petit peu plus tard. Quelle angoisse, quelle angoisse. Ça, on va mettre ça là. Et ça là. Allez. Ok. On est bon. Le voilà. Le monolithe. Ouais. Les sensors sont toujours activés. Je dois rétablir la gravité avant qu'on puisse le charger. Vite. Allez. Attendez les gars, hein.
attendez les gars. Je suis pas le mec le plus serein. Ok. On va la jouer intelligemment. Sortie d'une zone en zéro gravité. Wesh. Où est mon... Il est chargé. Venez, vite. Allez lui ouvrir la suite. Ok. Où est mon autre merdier là? Ouais, je le transporte tout le long, hein, si on peut économiser quelques munitions. Wesh, j'ai eu trop peur. Ah, désolé Isaac, je ne pouvais pas lui laisser le monolithe. Kendra, tu fais quoi? Ce que mon service m'a envoyé faire ici. Même si le Valeur n'a pas pu m'aider comme je l'aurais voulu. Ton service? Qui es-tu? Je travaille pour le gouvernement de la Terre. Je dois régler un problème très très ancien. Je vous ai dit à Amon et toi qu'Egis-7 était interdite d'accès. La planète était une vaste expérience gouvernementale. Le monolithe, cet artefact divin, c'est une création humaine. C'est impossible. C'est un monde extraterrestre. C'est les mineurs qui ont découvert cette saloperie. Après qu'il a été implanté ici, il y a plusieurs centaines d'années. Même Kain n'a rien vu. Le premier monolithe a été découvert sur Terre dans un cratère. Celui-là était réel. Extraterrestre. Assez pour inspirer l'unitologie. Notre espèce l'a étudié et a rétroconçu ce monolithe rouge. Mais il fallait un endroit pour le tester. Egis-7. Tu as vu le résultat? Un vrai cauchemar. Je pensais que les anciens rapports étaient du pur délire. Jusqu'à ce que je vois ce que j'ai vu. Ils ont isolé tout le système et enterré les données, plus aucune trace, jusqu'à ce que la CEC s'y intéresse. Ces imbéciles ont taillé Egis-7 en pièces. Et réveiller ce que l'ancienne équipe de recherche avait laissé derrière elle. Donc le gouvernement de la Terre t'a envoyé pour tout dissimuler. Bordel, il faut qu'on rapporte le monolithe. Si quelqu'un d'autre tombe sur Egis-7... Si on l'a fait disparaître une fois, on peut recommencer. J'ai vu ce dont le monolithe est capable. Il faut le sceller. Quoi qu'il en soit, on a formé une super équipe. Tu trouveras un autre moyen de quitter l'Ishimura. Parce que... t'es un putain d'ingénieur. Tadies! Suivre l'hologramme... Tout ça pour rien. ...de Nicole. Ok. Suivre l'hologramme de Nicole. Oh. Isaac, tu me reçois, c'est Nicole. Où es-tu? Je suis dans la salle de contrôle. Vite, il faut que tu me rejoignes, maintenant. On peut encore s'échapper d'ici, mais le temps est compté. Ok. Allez, on va retrouver Nicole et je m'en bats les couilles, j'emmène ma bonbonne partout. C'est ma nouvelle meilleure amie. Ah, c'est terrible cette histoire. J'aimerais bien trouver l'armure de dernier niveau. Peut-être une armure bonus, je ne sais pas. C'est la salle de contrôle. Je suppose que c'était la petite salle qui était derrière nous. Allez, on y retourne. Cette bonbonne, elle va me suivre tout le long, je préfère vous le dire. Ok. Voilà, là c'était fermé. Allez, j'arrive, ma Nicole. Ouais, je suis un peu lent. On n'est jamais trop prudent. Qu'est-ce que c'est? Alerte d'urgence. Protocole d'évacuation du pont en cours. Ok. Oh, j'ai des petits points à mettre. Hein. J'ai des petits points à mettre. Hein. Et vous savez où j'aime bien me les mettre, moi, les petits points. Hein. C'est dans l'armure.
sais pas à quoi vous pensiez. Je regarde si j'ai rien loupé parce que ça me paraît... Arrête de belles pièces. Ça va, Nicole? Quelle bibiche. Tu t'en es sorti. J'ai essayé de te trouver. La moitié des chumois volant morceaux. Et l'autre moitié grouille de ces choses. Comment t'es arrivé ici? Tu as dégagé le passage. Je peux toujours compter sur toi. Pas cette fois. Danielle m'a entubé. Tu ne pouvais pas savoir qu'elle prendrait le monolithe. Elle nous a laissés pour morts. On a encore une chance. Tu peux rappeler la navette et la piloter à distance, d'ici. Rapporte le monolithe et on le ramènera sur Aegis 7. Pour que nous ne fassions plus qu'un. Je ne sais plus ce que je dois croire maintenant. Ça va aller, Isaac. C'est bizarre ce qu'elle dit quand même, non ? De la navette USG-09. Préparation des procédures d'amarrage à distance. Bordel, Jacques, tu ne sais pas ce que tu fais. Je sais que quelqu'un va répondre de tout ça. C'est une blague, merde. Alerte, capsule de sauvetage lancée depuis la navette USG-09. La capsule. Merde. On l'a perdue. Ça ne fait rien. Elle ne peut pas fuir son destin. Qui peut le faire? Ouais... Bah voilà, voilà, hein. Bah voilà, bon, on est de retour à la maison, hein, retour au bercail. Elle me fait peur, ma femme. Dans cette navette, il pourra plus faire demi-tour. N'aie pas de regrets. Vas-y. Je te rejoins dès que j'ai reprogrammé la trajectoire de la navette vers Aegis 7. On a foutu, je l'attends. Tu surveilleras mes arrières. Les gars, ma femme, elle me fait peur, hein. Je préfère vous le dire. Ok, j'ai fait un petit 3-6 no stop, on sait jamais. Bon bah on y va, hein. J'ai cramé. Vous voyez, je l'ai pas emmené pour rien. Et là, juste à l'entrée, il y a une petite douceur qui m'attend. Et on est reparti. Ouais, on perd beaucoup de temps, hein. Waouh. Que ça s'arrêtera jamais. Hein. Tout le monde est... Ah ! Quoi ? Oh putain, c'est le ragdoll. Ok. C'était le fucking Ragdolls. Allez, on est parti. Je me chie dessus en ce moment pour pas grand chose. Point de non-retour, vous êtes sur le point de quitter l'Ishimura. Et ne pourra, vous ne pourrez pas revenir. Toutes les missions secondaires seront activées. Seront abandonnées. Allez, c'est parti les amis. Direction la fin du jeu, c'est officiel. J'ai jamais douté de toi, Isaac. Je savais que tu reviendrais. Prête, Nicole ? Oui. Maintenant qu'on est réunis, plus rien ne peut nous arrêter. Elle est vraiment bizarre, les gars. Hein. C'est pas comme ça que je me voyais dire adieu à l'Ishimura.
On peut pas faire demi-tour. C'est facile de se dire qu'on est obligé d'avancer. Tout a commencé au cœur de la planète. D'après Daniels, le monolithe était une expérience que le gouvernement terrestre a abandonnée il y a des siècles. Quand on n'est pas prêt, un miracle doit être aussi terrifiant qu'un cauchemar. Cette planète est sans répit. Elle a faim. Elle veut nous manger tout cru. Mais on a le monolithe. On peut remettre les choses comme elles étaient. Nous serons à nouveau unis. Ouais. Elle insiste un peu trop, hein, sur le uni à la con, là. Hein. Ouais. Je suis pas serein. Ok. Trahison. Et d'ailleurs, personne se demande pourquoi il est plus là. Disparition dans l'infini. Bizarre. Isaac, c'est le moment. Nicole ? Tu peux retirer le monolithe de la console. Allez ! Ok. Très bien. Ça, on charge. Y a pas de save. Y a pas du tout de save. Attends. Et toi, tu branles quoi, toi, ici, là? Ok. Attends, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Très bien. Oh, ça sent pas bon, hein. Regarde. Une lumière dans le ciel. Les rayons tracteurs de l'Ishimura vont lâcher. La charge tectonique. On n'a plus beaucoup de temps avant que tout ne s'écroule. Comment est-ce qu'on va faire? Oh, wow. On peut rapporter le monolithe à son piédestal. La piste de chargement mène directement au site d'excavation. Ça va marcher. La reine-mère va forcément obéir. Après ça, on pourra enfin être ensemble. Ah, ça, faut qu'elle arrête. Hein. Je vais devoir te tuer. Hein. Vite, il faut qu'on se dépêche. Merde. J'ai peut-être fait une bêtise, les gars. Oh, j'ai fait une bêtise. J'ai fait une grave bêtise. Ok. Ce que je pensais. Et là on a rien. Oui, ferme-la, je t'en supplie. Laisse-moi faire, je suis un grand garçon. Très bien. Ok, on a un truc ici, ceci dit. Sûrement là où il y a le générateur. Oh, dis donc. Très sympa là. Les amis, on va s'arrêter là. Prochain épisode sera sûrement le dernier. Je vous laisse lire pour qu'on s'arrête sur un petit texte tout de même. N'oubliez pas de j'aimer, commentaire. À bientôt tout le monde. Et n'oubliez pas de mettre pause aussi par la même occasion. Bye bye.